Donc, bonjour Léo Lebléjac, vous êtes snowboarder français. Comment a été votre expérience dans le village olympique? Vous êtes arrivé le 1er février. Oui, donc ça fait quelques jours que j'ai pu profiter du village. C'est assez impressionnant parce que c'est une mini-ville remplie d'athlètes. Et c'est l'occasion de croiser des champions qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres disciplines ou même d'autres nations. Et puis le village est assez impressionnant. Il y a plein de il y a des activités à faire Qu'est-ce qui on vous a essaye de plu? profiter. Quelle partie vous avez... Ah, j'avais pas imaginé, j'avais pas pensé à ça avant d'arriver en Chine. Il y a une salle de réalité virtuelle où on peut essayer ces technologies. C'est la première fois que je touche à ça. Donc c'est sympa. Dernière question, quelques mots pour parler de votre vécu jusqu'à aujourd'hui, depuis 4 jours en Chine. Incroyable pour l'instant. C'est vraiment, enfin, les autres athlètes me le disaient avant, c'est une expérience unique. Ça, pour l'instant, ça me met des étoiles dans les yeux. J'ai pas vu la cérémonie en live, mais voir la flamme s'allumer, c'est quand même quelque chose, surtout quand on est sportif. J'attends, j'ai hâte de voir le début des compétitions et l'émulation qu'il peut y avoir autour des premières médailles, surtout des premières médailles françaises. Et puis espérer de pouvoir briller le jour J de mon côté.